Salut et bienvenue dans cette nouvelle édition de Transformation Point avec Salvation Love of Christ sur Afrique Today. Nous allons continuer et finir aujourd'hui avec notre série sur les 7 choses que notre Seigneur Dieu déteste, qui sont listées dans les Proverbes 6, 16 à 19, qui dit « Il y a 6 choses que hait l'Éternel et même 7 qu'il en a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre les frères. » Si nous voulons continuer à bénéficier d'une vie de réussite, de paix, de santé, d'amour et de longévité, nous devons resserrer notre relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ et absolument éviter les choses qu'il déteste. Nous devons éliminer ces choses dans notre vie, car ils sont pratiquement impossibles d'entretenir le mal dans sa vie et avoir le soutien, la grâce et les bénédictions de Dieu en abondance. Nous devons garder nos cœurs du mal et de nous stimuler à faire ce que Dieu nous commande de faire. Nous devons aussi imiter le Seigneur Jésus-Christ et le ressembler dans tout ce que nous faisons. Nous avons dans nos émissions précédentes parlé des yeux hautains, de la langue menteuse, des mains qui répandent le sang innocent, du cœur qui médite des projets iniques. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur, dans la première partie, les pieds qui se hâtent de courir au mal, et dans la seconde partie de notre émission, nous allons parler du faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre les frères. Le Seigneur a horreur du mal, des pieds qui se hâtent de courir au mal. Dieu a établi ses principes et dans sa parole, de sorte que si nous n'écoutons pas, sa main de discipline vient sur nous. Et automatiquement, tout ce que nous faisons tourne à l'échec et nous apporte des tourments. Comme il est dit dans Ésaïe 66:4, le Seigneur dit « Moi aussi je me complairai dans leur infortune, je verrai venir sur eux ce qui cause leur effroi, parce que j'ai appelé et ils n'ont point répondu, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté. » Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, ils ont choisi ce qui me déplaît. C'est un danger de ne pas écouter les voix du Seigneur. Bien-aimés, c'est pour notre bien et pour notre propre protection et sécurité et bien-être que Dieu nous donne sa parole et ses principes et ses recommandations. Nous devons donc nous attacher au bien, comme les psaumes 34:15 dit. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Quand nous arrivons dans les situations de conflit, choisissons la paix et non la vengeance. Comme 1 Thessaloniciens 5:15 dit, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers vous. Comme Hébreux aussi 12:14 dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous devons vaincre le mal par le bien et la seule chose que nous devons faire, c'est de faire du bien intentionnellement et très activement, comme Romains 12, 21 dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Comment vaincre le mal quand vous vivez dans un environnement avec des gens qui constamment parlent de mal de vous, vous font des montages pour vous détruire et vous décevoir et vous faire chuter? Éloignez-vous de ces personnes, priez pour que le Seigneur soit votre défenseur et votre guide. Ne jouez pas leur propre jeu de vouloir entrer dans les luttes, car ils aiment ce genre de situation et vous feront encore plus de mal. Armons-nous d'amour, également de patience avec les autres, comme Romains 12, 9 dit, que l'amour soit sans hypocrisie, ayez en horreur le mal, tenez ferme au bien, et parce que Dieu nous a aimés et que nous aimons Dieu, nous sommes rassurés qu'il garde nos âmes et que rien ne peut nous arriver à l'ombre de ses ailes, comme dans Psaume 97, 10, qui dit,
Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles, il les délivre de la main des méchants. Bien-aimé, il est impossible de vaincre le mal si la parole de Dieu n'abonde pas dans nos cœurs. Accroche-toi au Seigneur et promets avec moi au Seigneur aujourd'hui avec le psaume 101, 3. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Prie avec moi. Avec moi et répète après moi. Père céleste et Dieu d'amour, en écoutant ta parole aujourd'hui, je me rends compte que j'ai fait ce qui est très mal à tes yeux, Seigneur. Aie pitié de moi dans mon péché. Je veux regarder à toi, Seigneur. Je veux te suivre et marcher dans le sentier de la paix, du bien. Pardonne-moi et que le sang de ton Fils unique Jésus-Christ me purifie et me sanctifie de tout mal. Merci de m'avoir sauvé. Je veux te suivre tous les jours de ma vie. Dès maintenant à jamais, je voudrais te glorifier et te louer au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Deuxième partie, nous allons parler du faux témoin qui dit des mensonges. Les Proverbes 14:5 dit « Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. » Le témoignage que nous donnons en rapport avec la vérité que nous connaissons est très important devant Dieu. Nous ne devons en aucun cas rendre un faux témoignage ou falsifier la vérité. Ce sera attirer la justice de Dieu contre nous. Bien que Dieu est miséricordieux et pardonne, il ne tient jamais le coupable pour un innocent. Comme Proverbe 19:5-19 dit, le faux témoin ne restera pas impuni et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Celui qui dit des mensonges périra. Faire des faux témoignages ou mentir nous met directement en contact avec le diable qui veut manipuler et détruire nos vies. Il est celui qui, dès l'origine, nous a séduits du péché, nous a séparés de Dieu, nous a causé beaucoup de maux et de conséquences que nous subissons encore jusqu'aujourd'hui, jusqu'à la mort. Nous devons détester le mensonge. Ceux qui mentent sont semblables au diable, qui est le père du mensonge, comme Jean 8:44 décrit, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Il est meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Malheureusement, bien-aimés, ne le faisons pas. Éphésiens 4:27 dit « Et ne donnez pas accès au diable, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu » afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous devons nous accrocher fortement au bien. Notre témoignage doit être vrai. Comme Matthieu 5:37 dit, « Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. » Nous devons être remarquables par notre sincérité qui est une grande vertu. Comme le proverbe dit, le témoin véridique délivre des âmes, mais le trompeur dit des mensonges. Le Seigneur Jésus-Christ nous aime. Il est notre témoin fidèle qui nous accompagne partout où nous allons. Il connaît nos difficultés et nos soucis. Il est mort pour nous sauver. Et comme Apocalypse 1:5 dit, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang.
Nous allons aussi aujourd'hui parler de celui qui excite les querelles entre les frères. Proverbe 17-19 dit « Celui qui aime les querelles aime le péché. Celui qui élève sa porte cherche la ruine. » Les querelles, c'est la porte d'entrée au mal. Il y a les gens qui excitent les montages entre les gens qui se détestent et ce sont des gens qui sont très dangereux et il faut éviter de faire cela. Le Seigneur nous met en garde et il nous jugera. Comme Timothée 2:29 dit, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Les querelles ne finissent jamais bien. Elles sont à la base de les divisions, des guerres. Elles créent des cœurs, des vengeances et toutes sortes de destructions. Comme Jacques 3:16 dit, car c'est là où il y a un zèle amer, qu'il y a un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Quand il y a des querelles, chacune des parties cherche à se justifier et avoir raison. Et à ce moment, le mensonge entre en jeu pour pouvoir se couvrir. Comme Jacques 3:14 dit, « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » Bien-aimés, il est impossible que les querelles et les disputes arrivent, mais nous devons éviter de nous laisser emporter. Choisissons la paix et un moyen rapide de stopper les querelles. Le Seigneur connaît la vérité en toutes choses et finira par la révéler tôt ou tard. Soyons-en sûrs, même sur notre lit de mort ou après la mort, la vérité sera connue. Comme Romains 12:18 dit, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Bien-aimés, nous devons surtout éviter de mettre nos nez dans les affaires des autres qui ne nous concernent pas. La parole de Dieu nous invite à vivre en paix. Dans 1 Thessaloniciens 4, 11, on est écrit « Et à mettre en honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires » et à travailler de vos propres mains comme nous l'avons recommandé. Le Seigneur est formidable dans sa parole. Il nous donne les recommandations véritables, simples et pratiques en suivant et en écoutant. Nous allons réussir à vivre dans le bonheur. Comme 1 Corinthiens 1:10 dit, « Je vous exhorte, frères, par le nom de Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. La clé en tout temps, c'est l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres, comme Colossiens 3:14 dit, et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous êtes amis du Seigneur si vous aimez les autres. Prions Dieu. Prions Dieu. Merci Père tendre et secourable de nous purifier des mensonges. Que ton Esprit Saint nous conduise sur toute la vérité et nous apprend à marcher en témoin fidèle de Jésus-Christ. Sois à jamais loué, glorifié, exalté, honoré et adoré dans tout ce que nous faisons dans le nom précieux de Jésus. Seigneur, tu nous mets à l'évidence et tu nous interpelles dans le péché, en guise de nous corriger et de nous montrer le bon chemin. Arrache-nous des querelles, des disputes vaines et des discussions qui nous mènent aux divisions. Donne-nous des possibilités de réconciliation avec les autres afin que nous puissions nous aimer les uns les autres. Donne-nous de nous attacher fortement au bien et de vaincre le mal que tu as en horreur pour que nous recevions pleinement ce que tu nous donnes et que nous soyons des héritiers de la grâce que tu as pour nous.
Conduis-nous dans le bon chemin, afin qu'en tout temps, nous vivons dans ton amour, dans ta présence et dans tes bénédictions, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous voici donc à la fin de Transformation Point avec Salvation Love of Christ sur Afrique Today. Rappelons-nous des 7 choses que le Seigneur est et qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre les frères. Ces choses nous détruisent et nous empêchent de savourer la grâce que le Seigneur a pour nous. Ouvrez vos mains pour recevoir la bénédiction de Dieu. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Allez dans son amour, allez dans son assurance, allez dans sa paix et passez une agréable semaine et à dimanche prochain dans une nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation Love of Christ sur Afrique Today. Merci.